Je veux dire, c'est lundi 27 février 2023. Et titre leçon, nous pouvons dire, c'est une chose dévouée par interdit dans le camp. Il y aurait les frères Jorab, Étienne, Femizio, mais c'était tout. À nous prier ensemble, Papa mon Dieu. Seigneur, Papa, nous qui avons dans le ciel, nous faisons louange pour nous exalter, pour miséricorde, pour compassion pour nous chaque jour. Merci pour protection, by nous. Merci parce que vous pardonnez péché nous. Merci papa pour le moment ça vous créez pour nous, côté nous ensemble chaque jour étudier parole. Seigneur, t'en prie, assistez-nous aujourd'hui encore. Nourris-nous aujourd'hui encore. Fais ça pour petit tout. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Bonjour, bonsoir amis, c'est un plaisir pour nous ensemble avec vous une autre fois encore pour nous continuer à étudier ensemble parole bon Dieu. Alors, pas oublier semaine ça, nous avons 9e leçon nous dans questionnaire ça. Leçon 9 qui vient pour titre gardez-vous de la convoitise ou encore gardez-vous de toute cupidité. Et verset n'a médité sur lui pendant toute semaine ça. Nous trouvons dans Luc 12 verset 15 qui dit gardez-vous avec soin de toute avarice car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fut-il dans l'abondance. Luc 12, verset 15. Sœur Wideline, en a fait vigile matinale là. Il te récompensera publiquement. Ton Père, qui voit ce qui se fait en secret, t'en récompensera publiquement. Matthieu 6, verset 4. Temple Artemis là, t'est classé parmi les 7 merveilles du monde antique. C'était un gros sanctuaire. Statue Artemis était mesurée 2 mètres, il était couvert avec l'or, argent. Temple a gagné 137 colonnes de 18 mètres de hauteur. Il semblait un fort, même genre avec nous de la caille nous gain fort Jacques, fort Alexandre dans pays nous. C'était Chéris Fon qui était architecte construction ça. Mais il était gagné comme il était duré plus que 1 an, il était gagné l'autre monde qui était participé dans œuvre ça. 21 juillet 356 avant Jésus-Christ, Érostrate, un monde qui t'ai connu garder mouton, t'ai décidé faire non li. Qui ça t'ai fait même? Il t'ai décidé mettre du feu dans top ça. Érostrate t'est tellement bien célèbre, même un gros historien qui t'ai relé Strabon t'ai parlé de lui. Psychiatre t'ai venu inventer un terme qui t'ai relé érostratisme, qui sorti dans nom Érostrate là. Qui désigne troubles qui poussent nous commettre crimes pour non nous qu'apparaître. M'apprends de tête moins si nous pas souffrir érostratisme spirituel. C'est-à-dire nous commettre crimes spirituels pour nous joindre renommée dans l'église nous. Jésus fait référence à moun qui remet prier tout campé yo. Prier dans tout petit coin dans la rue yo juste pour moun ka wè yo. Ta semblé nous gen problème ça vrai. Yon vie spirituelle pa vle di fò mache fè wè ou son bon sè ou son bon frè. Li pa rien pou wè ak jwenn respect admiration moun ka observe nou. Sa vin paret yon charité hypocrite. Comportement sa pa gen plas li lan nou. Li pa gen rien de bon la dan. Priye, jeûner, prêcher, li la Bible nan intention pou attire attention l'autre moun, c'est un crime spirituel. Vie chrétienne là c'est une complicité entre créature là et créateur là. Pas gain place pour l'autre bagaille ça yo. N'a vive pour que papa nous content de foi nous, de l'amour nous et de action nous et non pour attirer attention l'autre monde. Papa nous qui ouais ça n'a fait en secret a récompenser nous en public. Et c'est pas ici à la récompenser nous, c'est dans ciel là. Qui te regard fixé sous ciel là et non sous applaudissement les hommes. Zanmim, c'est toujours avec que nous rempli avec joie, nous croiser ensemble avec vous chaque jour pour nous étudier ensemble parole bon Dieu. Nous dit papa bon Dieu merci pour compassion pour l'amour envers nous et au même nous dit un gros merci parce que toujours là ou à étudier ou à partager. Ça fait nous un pile plaisir qu'on ait que ou à partager ou à aider nous ou à prier pour nous. Il fait 11h30 actuellement là, il est presque minuit. Moi obligé faire le soin pour nous connaître parce que et pendant
je dis am dal prêcher dans l'église, c'était venu bien tard, pas de guetta pendant la journée. Moi t'ai dit non semaine passée, commencement semaine passée, me t'ai préparé toute leçon yo, mais malheureusement vidéo pas de bon, obligé refaire parce que me connais ou attendre yo. Alors merci ou même qui a pu supporter, qui a pu encourager nous, il vaut la peine pour encourager nous parce que travail là des fois il est vraiment difficile. Priez pour nous capable toujours là pour nous étudier ensemble avec vous. Et c'est avec le plus grand plaisir du monde, moi toujours aimer dire ça à nous là chaque jour pour nous présenter leçon ça, même les gars pile difficulté, mais nous connaissons tant yo pour partager avec l'autre monde, nous pas ca pas voyer pour. Alors hier nous t'ai étudié une belle partie leçon qui c'était le fondement du péché originel. Nous t'ai ouais qui côté péché et alors qui péché originel là, qui péché qui était et notre cas dit qui était premier paraître, OK, et qui côté ça t'est fait, comment ça t'est fait, et c'était convoitise Lucifer qui t'est convoité place bon Dieu. Nous te ouais ça ensemble avec vous sur beaucoup t'étudier le son hier là, à étudier les songes, faut qu'on étudie une après l'autre sur canal ça, nous gain toute leçon nous mettez pour. Et je dis c'est une chose dévouée par interdit dans le camp. Alors je dis à gon texte yo mande nou pou nou li, nda vraiment remon li texte a jodi a, soit a prof fin fè leçon avec ou bien avant fè leçon an, ou kampe leçon pour li texte a, ki se Josué 7 la, c'est un texte qui vraiment intéressant. Lorsque peuple Israël la fin passe tout sa li passe yo, lorsque li soti en Égypte pour rentrer Canaan, dans désert la passe en pile mauvais moment, et bon Dieu te dit, gade, moun ki soti en Égypte yo, yo tout ap mouri dans désert la, c'est petit, yo ka va rentrer Canaan, c'est petit yo. Maintenant moment arrivé pour peuple là rentrer Canaan, et yo te gen Jéricho qui te campé devant yo comme yon nota ka di yon grand lame, OK, et bon Dieu te permet à ce que yo vek Jéricho, puisque Jéricho te gen yon série de murs qui te barrel, personne pas de penser t'ap ka gon moun ki ka craser mur sa yo. Mais bon Dieu te fait peuple Israël là gagner Jéricho, gade rentrer Jéricho, craser toute bagaille par la prière, sans ou pas tirer un coup d'épée. Bon Dieu a merveilleux ami. Lorsque tu as rentré Jéricho, bon Dieu te dit yo, gade, nous pas prendre rien Jéricho, nous pas doit prendre rien, seulement et tout métal qui fait en or yo, yon série de bagaille qui précieux. Nava à la veille ou dans maison trésor, nava à la veille ou dans temple bon Dieu, mais pas gen moun ki doit prendre rien, parce que nous connaît lorsque peuple a sorti dans guerre comme ça, gen butin guerre là, c'est ça yo prend après la guerre là, ça yo prend, ça peuple a te gen yo prend tant coup l'or, argent et bête moun yo te gen yo prend, mais bon Dieu dit fois ça pas prend rien, c'est brûler toute bagaille seulement. Pierre, yon série de l'or n'a rajouté l'autre bois, yon série de vase qui fait en or, pote yo nan temple papa bon Dieu. Mais avant, bon Dieu te fait une série de gros miracles avec peuple Israël, qui te fait l'autre roi qui autour, qui aux alentours yo peur Israël. Par exemple, te gen journée pour yo te traverser, pour yo rentrer dans, pour rentrer Canaan. Et rivière la terre crue, nous connaissons en Haïti, lorsque rivière descend, nous connaissons le comme ça, rivière, lorsque rivière la descend, gloire, des forces, gloire, boîte tout ça le jeune. Eh bien, dans période ça, rivière la te descend, bon Dieu te permet à ce que rivière la campe, parti en haut, arrête en haut, parti en bas, arrête en bas, et puis ouvre yon route dans mi-temps rivière la pour peuple la te passer. Bagay sa ou te fait l'autre roi qui autour de Jéricho yo peur. Et lorsque yo tande comment gade bon Dieu craser Jéricho, peuple Israël ça, gade yo te vin comprendre c'est un peuple sans limite, yo te peur peuple ça. Maintenant, lorsque peuple a fin gagner Jéricho, vin craser Jéricho, yo détruit Jéricho, yo te gon ti ville tout petit, un petit pays tout petit pour yo prendre qui c'est Haï. Josué tellement ouais comme si ça pas vaut la peine pour le voir un pile soldat, yo pas de voir un pile soldat. On ti quantité soldat tout petit yo voye. Nan guerre ça. Maintenant malheureusement pour yo, ti pays sa gade le savonne yo. Li tue presque tout moun yo. Peuple Israël, l'armée Israël la prend une défaite nan moment ça. Et lorsque Josué apprend ça, Josué te chire rabli, li couché dans sang, là le côte bon Dieu, li mande bon Dieu ça ka passé comme ça. Pour qui ça s'arrivait avec nous,
on petit pays comme ça nous t'a regarder nous t'a craser là en fois non fois non 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 budget ça qu'a passé comme ça. Josué te comprendre gon bagay qui pas marché et c'est alors bon Dieu te dit à Josué gayon interdit parmi nous gayon bagay qui pas doué là qui pas doué parmi nous qui parmi nous et Josué te fait réunir tout peuple là il dit mais ça bon Dieu dit gon bagay qui pas marché gon moun qui font désordre dans camp gon moun qui font bagay li pas doué faire nous même qui vient les textes là après Josué 7 là n'a pas c'est à quand lorsque bon Dieu te dit là arrivé Jéricho pas prendre rien à quand tu voyais un belle notre a dit une belle robe royale notre a dit comme ça il prend bah ça a été coûté cher longtemps robe royale gain pile bagaille pierre qui coûte qui très cher là dedans yo et à quand tu prends rad ça et il te prend un vase tant qu'a dit tant que son pot qui t'est fait en or il te prend yo il serre yo pendant bon Dieu t'est dit yo pas doit prendre rien à quand garder bagaille yo à quand débarquer sur yo lorsque à quand arriver sur pile bagaille l'or ça yo li wè ou t'a coûté l'argent à quand convoiter bagaille yo li convoiter yo gel ouvert sur yo li blier si bon Dieu t'est dit pas prendre rien et à quand non seulement le convoité yo li prend yo li garder li plier yo ensemble là le mettre la caille li fouillon tout en battant lien li mettre yo maintenant lorsque Josué fait réunir tout peuple là dit bon bagage qui pas marché c'était moment pour à quand te confesser mais à quand pas de faire ça bon Dieu dit Josué bon bagage qui pas marché bon Dieu pas dit qui s'allier bon Dieu pas dit qui moun lié. Seulement dit Josué gon bagay qui pas marché. Et bon Dieu indique Josué pour ta ka font tirage au sort. Sous tribu tirage au sort a tombé a. Sous tribu qui alors tirage la tombé a, c'est dans tribu ça problème nan yé. À quand c'était un gros chef li té dans tribu Juda. Tribu côté Jésus sorti a. Tribu qui té doué yon tribu exemplaire. Et lorsque vous faites tirage là, li tombe sous tribu Juda. Malgré ça, Akan pas confessé. Akan continue à faire tête raide. Yo réuni toute famille yo pour yo font tirage encore. Pour yo regarder qui famille qui responsable bagay ça. Et yo fait tirage là, li tombe sous famille Akan. Maintenant, c'est alors Akan dévoiler que oui li prend bagay yo mais côté le mettre yo la kayli pendant tout peuple a réuni gen deux trois moun kal kay a kan yo wè bagay yo exactement côté a kan te di bagay yo te frèm sèm seul a kan ki péché fait tout peuple a victime seul a kan ki péché fait peuple a perdu la guerre seul a kan ki péché fait moun a pile moun mouri conséquences péché très graves. Premièrement, à quand convoité même péché Lucifer te financier là, les convoité. C'est Lucifer te jeune possibilité pour te tuer Jésus, t'a tuer Jésus, mais malheureusement pour lui, il pas capable. Là, à quand convoité bagaille et puis il prend yo. Là, il mettait la caille. Maintenant, lorsque monsieur vient à bagaille, à quand t'es serré. Malgré ça, a fait tête raide toujours. À nous faut-il lire parce qu'il faut que nous lions ensemble avec vous quand même, même là nous pas plus tout. Dans Josué 7, verset 18-19. Il fit approcher la maison de Zabi par homme et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Sirach, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait. Ne me le cache point. Josué a cherché aider Akan. Lorsque tout le monde est sous Akan, bagala tombé. Verset 21. J'ai vu dans le butin un beau manteau de Chinéa, 200 sicles d'argent.
et un lingot d'or du poids de 50 sicles. Et je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Josué te voyé mon aloué. Exactement, monsieur te vini à bagayou. À quand te convoité bagayou, il pas de doué convoité. Et Josué te fait à quand vini avec toute famille, à toute salle te gagné et peuple a te lapidé à quand à toute famille. Yo te tué à quand à toute famille. Pour qui ça yo te obligé tuer famille à quand tout parce que yo te complice. Yo te connais ça que t'as passé ya. Yo te connais ça que ça t'est arrivé ya. Frère, chers amis, ou même qui parent, lorsque gon bagay ou pas comprendre qui vini nan kay la, lorsque mari en vini nan kòb ou pas comprendre fòm tèt li, lorsque yo vini nan bagay ou pas comprendre, pas complice, di ou pas comprendre, parler, poser question, parce que péché toute famille ka tombe sou ou tout. Lorsque vous participez dans le péché, des vous complices, des vous connaissez ce qui passe, ou complices, gardez responsabilité à tomber sous d'autres. Et malheureusement, à quand tu as perdu la ville, parce qu'il était convoité, ça qui pas de pour lui. Il était convoité et il était prêt, ça qui pas de prendre. Frère, sœur, amis, pour Israël te gagner une victoire, faut quand tu es nettoyé. Faut quand ça qui interdit faut qu'il était sorti dans mitan camp dans mitan camp Israël là dans mitan espace là bon Dieu voulait bon victoire matin bon Dieu voulait bon victoire après-midi à soir li mande pour nettoyer cœur li mande pour nettoyer la vie li mande pour nettoyer la caillou pour qu'a bon victoire matin tout ça ou qu'on est qui pas venir de bon Dieu. Gardez, voyez-vous bien loin, pas quitter auprès de la caillou, pas quitter auprès, pas quitter auprès cœur. Pour bon Dieu capable ba victoire matin. À quand t'es ka gardez, il t'es ka joine 1000 excuses, il t'es besoin l'argent, bagay yo pas de bon en mel. Mais quelle que soit excuse, depuis bon Dieu dit non, c'est non. Et là bon Dieu dit non ou dit oui, ou a souffrir, ou a payer conséquences. Frèm, sèm, zanmim, an nou prudan avec convoitise, parce que convoitise lan mène à un pilote péché. N'aptan nou demain si je veux, c'est le cœur de Judas. Yon l'autre belle partie leçon que ou pa ka rate pour rien. Fè mes yeux baissés tout, an nou prier. Seigneur, papa, t'en prie, aide-nous pour nous nettoyer cœur nous, pour nous nettoyer la caille nous, pour nous suspendre faire des fêtes. Et pour nous capables de remporter victoire sur tout ça qui campait en face nous. Et c'est avant pour gloire et pour honneur. Fais-nous grâce, nous prions au nom de Jésus. Amen.